Vous savez, Love is Love, c'est pas juste trois mots. Elle vient de juin 2015, quand Barack Obama a légalisé le mariage pour tous à la Cour suprême des États-Unis. Hein, donc c'est vraiment ça. L'appropriation est loin d'être un nouveau concept dans le monde de l'art et de la mode. Mischief s'approprie des peintures du 19e siècle, signées par des artistes tels que George Catlin et Albert Bierstadt. Mischief défie ainsi les représentations et les mythes coloniaux des peuples autochtones. Mais il existe une histoire beaucoup plus complexe et beaucoup plus sensible d'empreinte artistique. Ce sont celles faites aux cultures colonisées par les cultures dominantes. Mischief connaît bien ses enchevêtrements puisqu'elle-même a déjà revêtu de fausses coiffures moins célèbres pour se réapproprier ce qui avait été approprié. Aujourd'hui, grâce à cette union artistique, nous apprenons à mieux nous connaître. Mischief accepte donc la proposition de M. Jean-Paul Gaultier, puisque cette alliance créative favorisera leur compréhension culturelle. Désormais, aucune autre personne que Mischief, cette magnifique guerrière ambiguë de son peuple, portera cette coiffe. Comme muse artistique. Source d'inspiration et guide spirituel. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais elle ne nous séparera pas. In wearing this headdress as a symbol of John Paul's love. Do take Jean Paul to have and to be clothed by. As long as we both shall live. Oh, mesdames et messieurs, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le Musée des Beaux-Arts de Montréal, je vous déclare alliés. Vous pouvez embrasser la berdache. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter nos alliés Mischief Eagle Testicle et M. Jean-Paul Gaultier.